Bonjour à tous. En matière de cigares dominicains, je vous parle souvent de l'Opus 6 de chez Arturo Fuente, qui a la réputation d'être un des meilleurs cigares du monde. Un cigare qui nécessite de rester 2 à 5 ans en cave pour en tirer vraiment la substantifique moelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dominicain que j'aime beaucoup, que j'ai fumé à 3 reprises, ce qui me permet maintenant d'identifier un petit peu ses saveurs et son caractère. Ce cigare, le voici, c'est toujours Arturo Fuente qui nous le propose. Dans un magnifique étui coloré à dominance rouge. C'est l'Arturo Fuente Taking. C'est un module de type Churchill, environ un petit peu moins de 17 cm de longueur pour 19 mm de diamètre. À l'intérieur, un Churchill très élégant avec sa feuille de cèdre espagnole. Ce cigare est composé d'une cape Équateur. Une cape qui va donner un petit côté sucré au cigare. Le reste, c'est du tabac dominicain. Au niveau des saveurs, eh bien, en plus de ce côté sucré, alors c'est un cigare qui est globalement assez doux. On va trouver des notes légèrement épicées et des notes de noisettes. Certains y ont trouvé un côté boisé. En ce qui me concerne, non, je suis passé sûrement à côté. Et pour déguster cette petite merveille, il vous faudra débourser la somme de 26 euros. Bonne dégustation.